Nos caméras seront braquées pendant 48 heures en direction de l'hippodrome de Vincennes, où deux quintés plus vont s'enchaîner sur la cendrée parisienne. Place d'abord ce vendredi au traditionnel prix Eucrate qui va mettre aux prises des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné la somme de 245 000 euros. Pour un affrontement long de 2850 mètres avec 16 compétiteurs au départ de cet événement programmé à 20h15. Feu rouge, je poursuis mes impasses risquées en mettant de côté le numéro 1 Glorious Carnoy. Avec cette protégée de Luc Rollens, ce n'est pas une question de potentiel mais bel et bien de sagesse. En particulier à l'attelage où son manque de maniabilité lui a joué des tours à plusieurs reprises. Il est donc difficile de la garder par exemple dans une combinaison en champ réduit. Feu orange, le numéro 4 Fétichatou est un cheval tout neuf à l'âge de 8 ans. Titulaire de 14 victoires en 49 sorties, il a malheureusement connu plusieurs interruptions de carrière. Après une bonne course de rentrée, le partenaire de François Lagadec est prêt à refaire parler de lui, surtout dans le temple du trot où il a déjà brillé. Feu vert, il faut absolument reprendre le numéro 16, Gamin Jabba. Sa dernière sortie à l'occasion du trophée vert de Nîmes est à oublier car il avait beaucoup de ressources avant sa faute dans le tournant final. Affûté pour ce bel engagement au plafond des gains, il a largement sa place dans les 5 premiers. Alors, pour décrocher la bonne combinaison, je vous propose un champ total en flexi 50% avec 4 bases pour un montant de 12 euros, en s'appuyant sur le 16, le 15, le 4 et le 14.